Guten Tag, Ehrend und Damen. Nous sommes devant le Köln Messe où se tient toujours la Gamescom 2019. Vous pensiez que c'était terminé? Eh bien non, pour Gameblog, la Gamescom continue. On a pu voir aujourd'hui trois jeux chez Rofuri et le premier d'entre eux, vous le connaissez sans doute déjà. Il s'agit de Mosaic. Alors Mosaic, on l'avait déjà vu lors de la Gamescom 2018. Malheureusement, c'était une session hands-off à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai pu enfin prendre le jeu en main et je vais donc pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Alors pour ceux du fond qui n'auraient pas suivi, Mosaic, c'est un jeu qui est né d'une idée assez simple. Les développeurs en fait qui travaillaient sur leur ancien jeu se sont rendus compte que la période de crunch qui concluait le développement était quand même quelque chose de très intense, de très redondant et de très épuisant. Et du coup, ils ont décidé d'en prendre le contre-pied, d'en faire un jeu, de faire un jeu qui dénonce justement la tyrannie du quotidien, la tyrannie du monde du travail, qui essaye comme ça de pénétrer votre esprit et de vous atrophier finalement quelque part. Le héros de Mosaic est un salaryman, hein. Il a un pantalon noir, une chemise blanche et une cravate. D'ailleurs, il dort avec sa cravate. La laisse du patronat est toujours là, même pendant le sommeil. Et en l'occurrence, eh bien, vous allez d'abord expérimenter son triste quotidien de travailleur de bureau. Le jeu démarre alors que notre héros est en plein rêve, finalement. Et il s'évade, il voit des choses merveilleuses, mais boum, le réveil sonne. Et il faut donc se lever, récupérer son parapluie et aller travailler en baissant la tête. Au milieu d'une foule de gens qui se ressemblent, de gens qui ne vous regardent pas, on a une première scène dans l'ascenseur où, dès lors que vous essayez de regarder dans les yeux l'un de vos interlocuteurs, eh bien, ces derniers détournent leur regard ou regardent dans leur téléphone, un peu comme dans la vraie vie. Donc, on se rend compte qu'on est seul et qu'on mène une existence triste dans Mosaic, puisque la teinte principale du jeu est vraiment froide. On oscille entre le blanc, le gris, le bleu et le gris foncé. Vous voyez, on a quelque chose quand même d'assez terne, d'assez triste, mais justement, le but, ça va être de s'évader, de libérer un petit peu son esprit et d'aller contre ce système qui essaye de vous écraser petit à petit. En l'occurrence, le jeu vous propose de manière optionnelle en fait, de trouver des échappatoires dans votre quotidien. Alors, ça peut commencer dans le hall de votre immeuble où notre héros va regarder un petit peu par la fenêtre, y voir des couleurs. Et d'un coup, ça contraste énormément avec les teintes dominantes du jeu. Et là, d'un coup, bah, il s'imagine justement vivre quelque chose d'un petit peu différent. Bon, la réalité vous rattrape toujours, mais au fur et à mesure que vous allez comme ça essayer de sortir du système, eh bien, votre personnage va gagner comme ça un petit peu en confiance. Malheureusement, si vous restez trop longtemps justement à rêver, eh bien, votre boss va vous envoyer rapidement un message en disant « Hey, mec, tu fous quoi ? T'es censé être au bureau, là. » Donc vite, il faut se dépêcher, aller avec le flot continu de gens au travail. Travail qui est évidemment harassant, sans but, puisque vous allez vous installer devant un ordinateur. Et à ce moment-là, le jeu, en fait, vous propose un mini-jeu dans le jeu qui consiste à bâtir des espèces de tours alvéolées où vous allez distribuer un espèce de flux d'énergie pour atteindre un point qui vous est donné. C'est quelque chose qui est volontairement un petit peu pénible et redondant pour justement vous donner une idée de ce que c'est que d'être assis derrière un bureau tous les jours et de refaire encore et encore les mêmes choses. Mais heureusement, notre héros va de plus en plus tomber en fait dans la rêverie. Le jeu va commencer à mélanger un petit peu justement le monde réel, ce qui relève du fantastique. Et une voix en fait dans votre tête qui est matérialisée par un petit poisson rouge qui va apparaître de manière un peu fortuite ici et là, va vous rappeler que justement vous êtes là juste pour lutter contre le système, pour libérer votre esprit et faire autre chose de votre vie que vous lever, aller travailler et rentrer chez vous. Alors le jeu devrait réserver pas mal de surprises, même si il devrait être assez court. Les développeurs m'ont parlé de sessions de jeu, allez, de 3 à 5 heures pour en faire le tour, mais l'important c'est le message que véhicule Mosaic. Et il y a un côté méta que j'ai trouvé vraiment très sympathique. Dans le jeu, en fait, vous avez votre téléphone, vous pouvez consulter vos messages, qui dès le premier jour sont tous négatifs. L'un de vos meilleurs amis vous pourrit, vous avez été rejeté pour une offre d'emploi. Vous pouvez aussi télécharger une app de dating, une app de rencontre. Mais évidemment, vous n'allez essuyer que des revers. Aucune femme ne voudra de vous, forcément. Et si vous voulez peut-être passer votre rage sur autre chose, vous pouvez télécharger un mini-jeu à la con, un clicker sur votre téléphone, qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à passer le temps. Mais heureusement, vous pourrez acheter à l'intérieur de l'application des bonus multiplicateurs de clics. Bref, vous pourrez vous enfoncer un petit peu dans cette espèce d'échappatoire sans but. Et ce qui est intéressant, c'est que le clicker en question, il est disponible. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'éditeur, sur le site du jeu Mosaic, et télécharger sur votre téléphone le clicker en question. Quitte à souligner quelque chose d'évident, la direction artistique du jeu est assez singulière, puisque vous pouvez voir qu'on opte pour des espèces de polygones assez grossiers, saillants, mais qui confèrent
une espèce d'âme scandinave quelque part qui va avec justement cette teinte de couleur. Moi, c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié et qui permet justement de faire ressortir avec énormément de contraste les quelques phases où vous allez pouvoir apporter un petit peu de couleur et un petit peu de joie dans votre vie. Bref, vous l'aurez compris, Mosaic est un jeu à message que j'ai trouvé véritablement très intéressant. Alors, on est plus spectateur finalement de cette histoire que véritable acteur. On aura évidemment le choix de prendre son temps, d'exercer telle ou telle activité, mais tout ça se passe au service d'une histoire. On n'aura pas de fin multiple ou ce genre de choses. Il y a une progression continue, mais dans les quelques parties différentes que j'ai pu jouer là pendant cette démo, on se rend compte à quel point justement le rêve finit véritablement par se mélanger à la vie réelle, et je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose d'assez fantasmagorique sur la fin. Bref, vous l'aurez compris, on a vraiment hâte de voir Mosaic débouler. Le jeu devrait arriver fin 2019 chez nous, et on espère évidemment vous en reparler sur Gameblog, et éventuellement le tester pour vous dire tout le bien qu'on en pense. Quant à moi, je vous fais de gros bisous depuis le Köln Messe, et je vous dis une fois de plus à très vite pour de nouvelles impressions vidéo depuis la Gamescom 2019, qui décidément ne se termine jamais. Tchuss !